On pouvait prévoir ce qui arriva, qu'il serait trop tard, que Danton ne reviendrait que pour trouver la maison vide, les enfants sans mère et ce corps, si violemment aimé, au fond du cercueil. Si dans les seuls malheurs qui puissent ébranler une âme telle que la tienne, la certitude d'avoir un ami tendre et dévoué peut t'offrir quelque consolation, je te la présente. Je t'aime plus que jamais et jusqu'à la mort. Dès ce moment, je suis toi-même. Faisons bien ressentir les effets de notre douleur profonde aux tyrans qui sont les auteurs de nos malheurs publics et de nos malheurs privés. Embrasse ton ami.